Yep, pas tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous amener avec moi sur un sujet délicat autour, de la transformation des métiers, de la pénibilité au travail et justement d'une problématique générale dont j'entends énormément parler, le burn-out. Voilà, comme quelque chose de subi, de vécu, dont les répercussions en fait peuvent être essentiellement sur vous-même, mais peuvent avoir un effet domino en fait sur la famille et voire même parfois peuvent conduire à des séparations. Donc voilà, les incidences sont importantes liées au burn-out. Donc j'ai voulu traiter ce sujet et essayer de rassurer les gens aussi sur l'optimisme et les opportunités justement autour de l'innovation et la robotisation, puisque je pense qu'effectivement les robots à terme pourraient également justement soulager ces personnes qui souffrent de stress abusif, de burn-out et de dépression chronique. Voilà, alors on va essayer de voir pourquoi. Mais avant tout ça, j'ai envie de vous amener à réfléchir et à prendre conscience de quelque chose, c'est sur la notion et la nécessité de dédramatiser. Voilà, parce que ce sentiment, à mon sens, il est vraiment globalisé, il est ressenti et vécu par de nombreuses personnes. Et donc, vous n'êtes pas un cas isolé. Et vous subissez peut-être, en fait, de nombreux autres facteurs d'influence et une séquence de nombreux autres facteurs. Alors pourquoi? Aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui changent. On a une démographie qui explose, on a une ouverture des marchés, une internalisation des marchés. Donc face à ça, en fait, on va vous demander, en fait, au travail, d'être plus efficient, plus rapide, plus communicant. On va vous demander, d'absorber beaucoup plus de contraintes réglementaires, de répondre à beaucoup plus d'impératifs liés autour de la législation, des certifications, des normes, notamment qualité, sécurité, environnement. Voilà, de suivre et de renseigner de nombreux indicateurs comme les KPI. Voilà, de réaliser beaucoup plus d'audits, de réaliser plus de contrôles, d'assurer une meilleure traçabilité, de mettre en place, d'être plus productif, d'être également plus créatif, etc., etc. Tout ça, en fait, s'est mis en place dans un contexte avec donc toujours plus de compétitivité, toujours plus de cadence et toujours plus de pression. Donc effectivement, non, vous n'êtes pas responsable. On est quelque part peut-être tous responsables parce qu'indirectement, on a laissé faire. On s'est laissé envahir par cette hyper-productivité. À côté de ça, on va vous demander de mettre en place au jour d'aujourd'hui plus de cadres, plus de contrôles également. Et on va vous demander peut-être plus d'élitisme aussi, plus de formation. Voilà, on cumule au jour d'aujourd'hui de nombreuses formations. Plus de culture également du pouvoir, plus de difficultés également à côté de tout ça, et malgré les efforts qui sont mis en place, pour conserver un poste, ou voire même énormément d'énergie pour essayer de trouver un poste, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui cherchent du travail depuis plusieurs années, et en fait leur métier c'est de chercher du travail. Voilà, donc ça aussi c'est une vraie problématique pour de nombreuses personnes, et tout ça, ça va amener quoi? Ça va amener des phases de dépression ou de burn-out, une phase de perte de confiance en soi, etc., etc. Donc, si vous êtes dans ces différents cas de figure, si vous vous retrouvez un peu dans cette présentation, moi, j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, voilà, parce que tous les facteurs que je viens de vous énoncer, en fait, ils concourent à faire émerger une situation globale qui se retrouve un peu dans de nombreux cas de figure. Ça génère du stress, de l'anxiété, du mal-être, comme je vous ai dit, le manque de confiance, la dépression, parfois même après, comme je vous ai dit, d'importantes répercussions sur la stabilité et l'équilibre du cocon familial, voilà, qui vous servait pour autant normalement de référence. Donc, j'ai envie de dire que il faut vous rassurer. En fait, à mon sens, il est complètement envisageable de penser que l'innovation, et notamment les robots, ces assistants virtuels ou autres, ils vont pouvoir vous soulager. Voilà. Comment? C'est de par des exemples concrets. Par exemple, ils vont vous assister dans votre vie de tous les jours, et notamment au travail. Donc, dans votre vie de tous les jours, pardon, ils vont optimiser la gestion de votre emploi du temps. Voilà. Ils vont aussi vous proposer instinctivement les meilleures solutions à vos problématiques.
Donc en fait, ces robots assistants, ils vont vous offrir peut-être le confort d'être proactif en anticipant justement la survenue de vos problèmes. Alors si je le prends par un exemple concret, c'est par exemple vos assistants bancaires, vos bots bancaires, en fait, qui ne vont pas attendre la fin du mois pour vous dire que vous êtes à découvert. Si relativement à votre mode de consommation, effectivement, vous êtes dans la survenue d'un découvert, en fait, ce robot, il va vous solliciter avant même que vous soyez en découvert, à découvert, et il va vous proposer des solutions. Donc ça va vous éviter d'engendrer du stress et de perdre du temps dans la gestion de votre portefeuille. Voilà, avant vous étiez débordé par le travail, quand vous rentrez, vous n'avez pas le temps de vous occuper de vos enfants, de faire à manger, de tenir la maison et de prendre tous vos rendez-vous administratifs. Donc là, en fait, vous serez quelque part suppléé par des assistants qui le feront à votre place. Donc ça devrait vous soulager justement et vous permettre d'avoir un petit peu plus de temps pour vous et pour remettre en place en fait votre équilibre. Et je pense notamment à la créativité. La créativité, c'est un levier à mon sens à exprimer chez chacun pour justement être capable de remettre en place une situation d'équilibre avec vous-même. Voilà. Alors à côté de ça, en fait, en quoi ça va vous soulager? Ça va vous soulager également, par exemple, de la survenue de problèmes médicaux, parce qu'on peut envisager également que vous allez avoir des assistants médicaux qui vont vous accompagner dans votre vie de tous les jours et qui, avant même que vous ayez un désordre ou une maladie survenue d'une maladie, qui vont être capables en fait de vous dire attention, attention, prenez soin de vous ou réalisez telle et telle action parce que vous risquez un infarctus, parce que vous allez avoir des dérégulations de diabète, de glycémie et autres, etc., etc. Ou alors vous avez des facteurs liés à la survenue potentielle et à l'expression d'un cancer, etc., etc. On peut tout envisager. Là, je crois que comment je dirais, l'imagination, en fait, elle peut être infinie. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas capable de savoir jusqu'où ira l'innovation, mais effectivement, on peut presque tout envisager. Donc moi, j'ai envie de vous rassurer, justement, au regard de tout ça, parce que pour moi, l'innovation, justement, elle vous offre la promesse d'une perspective visant à vous soulager, justement. Et elle devrait concourir à assurer votre mieux-être. Donc moi, j'ai envie de vous dire, voilà. Remettez-vous en question, soyez patient, écoutez d'autres castes sur la neuroscience et comment prendre soin de soi. Le fait de comprendre comment le stress à répétition, l'anxiété chronique va affecter notamment la destruction de certains neurones du bien-être chez vous. C'est-à-dire que si vous êtes stressé à répétition, vous-même, vous êtes capable psychologiquement de déclencher une apoptose. L'apoptose, c'est ce qu'on appelle la mort programmée des neurones. Et comme vous le savez, quand vous naissez, vous avez un capital de neurones. Progressivement, ces neurones sont détruits. Voilà, c'est la dégénérescence, la vieillesse et autres. Mais psychologiquement, en fait, vous êtes à même de sélectionner le type de neurones que vous allez détruire. Et indirectement, si vous restez dans une anxiété qui est chronique et qui est prolongée, eh bien, malheureusement, vous participez à détruire ce qu'on va dire des bons neurones. Donc prenez conscience de ceci, respectez-vous, ne laissez pas votre anxiété, votre stress ou votre burn-out s'installer de manière chronique. Identifiez les leviers à actionner chez vous. Ça peut être le sport, ça peut être la créativité, ça peut être les relations sociales, ça peut être le fait d'entreprendre, ça peut être le fait d'approcher une indépendance financière, d'approcher l'équilibre financier, etc., etc. Ça peut tout être, c'est fonction de vous. Donc apprenez à vous comprendre, peut-être forcez-vous à désapprendre pour mieux réapprendre et justement actionner les leviers qui pourraient vous rendre heureux. Et moi j'ai envie de vous dire, je ne vois que des opportunités dans l'avenir, il faut être optimiste. Optimiste, voilà. Aujourd'hui, vous avez accès à Internet et notamment un Internet de la valeur qui vous donne un potentiel infini de sortie de situation que je pourrais dire de crise. Pour moi, le risque majeur est lié à votre situation actuellement, c'est justement que vous vous faites du mal, vous ne prenez pas soin de vous. Si vous êtes anxieux de manière chronique, malheureusement, l'anxiété fait que vous générez dans votre organisme des petits déchets. Ces déchets, on va dire que c'est des radicaux libres et ces petits radicaux libres
fibres et ces déchets, ils sont capables en fait d'exprimer des maladies chez vous. C'est-à-dire qu'ils vont impulser l'expression de maladies. Donc c'est dommage, vous vous faites du mal et vous pouvez participer inconsciemment à réduire votre durée de vie. Donc si la sélection humaine, elle a dit que vous deviez vivre, eh ben, prenez soin de vous parce que la vie, elle est belle, l'environnement est superbe et je pense qu'il convient à chacun de prendre soin de soi. Je vous dis à bientôt, y est pas, et encore une fois, ben, je vous adore, prenez soin de vous. Au revoir.